Attends. Oh, monsieur le maire, la ville n'a rien trouvé de plus moderne que l'agriculture et demain des chevaux et des chariots? Oscar. Ça dirait que je détruis ta maison, espèce de fils de pute. Il habite ici, Oscar? Si, il habite là. T'apprendras à fermer ta gueule, Oscar. Il faut les tenir un peu aussi. Le but, c'est l'écologie. T'es pas d'accord avec l'écologie? On raye ta maison de la carte. Et voilà, il y a quelqu'un d'autre qui viendra, Oscar. Au bout d'un moment, apprends à fermer ta gueule. Et maintenant, Oscar habite où? Il habite plus! Il habite plus! J'ai ruiné sa maison avec lui à l'intérieur. Regardez, il habite plus, on peut plus se trouver. Oscar n'existe plus. Surpris d'avoir un accident ainsi que d'avoir roulé en excès de vitesse avec votre véhicule. Vous, est-ce que vous êtes sûr parce que on n'est pas venu, on n'est pas venu en véhicule, on est venu à pied. Non, c'est le véhicule là. Je vous ai vu vous garer, j'étais en filature derrière. Est-ce qu'on doit noter que le véhicule est volé, messieurs? Je pense que pour cette fois, le véhicule volé, on peut laisser passer. Mais c'est pas notre véhicule, monsieur, je vous assure. On est venu à pied. Je pense que pour cette fois, le véhicule volé, on peut laisser passer, il a dit. Mais je sais pas, il parle à vous, je crois. Il vous pointe du doigt quand il parle. Pas vous, mais lui. Pas vous. Ni lui là-bas. Ni lui. Bon, écoutez, messieurs. Mais lui. Il a rigolé dans son micro. Vous avez pas réussi à identifier le conducteur du véhicule? Non, mais du coup, c'est sûr que c'est l'un des deux parce que je les ai croisés tout à l'heure et ils ont confirmé que c'était bien eux dans le véhicule. Moi, j'ai rien confirmé, c'est lui, c'est avec lui que vous avez parlé, c'est pas avec moi. Moi, j'ai rien confirmé du tout. Vous avez dit que vous avez parlé à ce jeune homme, celui-là. Ouais. Moi, je peux être capitaine si vous voulez. J'étais capitaine d'une équipe de handball féminin junior. C'était à Martigues, si vous connaissez Martigues, c'est en France. Et du coup, je suis totalement apte à gérer vous, handball féminin. Vous et vous. Je suis capable de vous gérer. Après voilà, c'est je vous propose mes services. Mais tais-toi, bah écoutez. Non, pas toi. Toi non. Toi non. J'ai dit lui. Lui. Messieurs, n'abusez quand même pas de la patience. Putain, tu me chauffes là, viens qui t'aura me chauffer. Regardez-le, il est violent, il est violent, je m'en vais. Moi je l'ai trouvé très très beau Dark Souls. C'est pas une prouesse graphique comme tu me dis, mais ouais, il est très beau. Eh, elle me saoule à gueuler là. Attendez, je vais fermer sa porte. Et sa gueule au passage. Je reviens. Je te pète ta gueule. J'ai deux passions dans la vie, les jeux vidéo et faire semblant de gueuler sur ma femme. Ah! Ah! Je l'ai tué avec ma frag! Espèce de con! Pardon. Ah, je lagué en plein vol. Énorme. Vous pensez que c'était un fail? Pas du tout. Je vais parler, vous clippez et vous faites le clip de manière à ce que ça se voit pas que je suis en train de dire ce que je suis en train de dire, ok? Kato! Oh, c'est un renard. Eh, hey, je prends direct ça, c'est pour ma meuf. Dédicace à ma copine que j'adore. Kato pour le renard enflammé. C'est dans la boîte? Quelqu'un a fait un clip, les gars. C'est très important. Ma vie de couple en dépend. Ouais, 64K. Il est allé voir Jumanji au cinéma pour espérer croiser Dwayne Johnson. Il est à Paname? Ouais. Sérieux? Ouais, à l'avant-première de Jumanji. À droite, voilà. À droite. Voilà, l'Arzim, je serais allé avec lui. Bah, y'a Prince. Ça invite même pas les potes. Ah! Et ça commence mal. Qu'est-ce que ça fait? J'ai chuté, chef. Ouais, les deux. Hey, j'étais même marqué en bleu hier. Ouais, je sais, j'étais en train de regarder. Oh putain, tu l'as changé. Ah oh, ouais, mais hier aussi, gros. Non, mais dis pas de la merde, wesh. Tu viens de me dire, je te mets ah, marqueur. Voilà, 4-4-2, y'a un mec derrière nous, hein, aussi là.
Lada derrière nous aussi. Ah non, c'est bon. On les traque, 4-4-2, ils vont tomber. Abattez-les. Arrête de bouger, arrête de bouger. Arrête de bouger, arrête de bouger. Mais j'essaye les gars, mais c'est une voiture de merde. C'est une voiture de merde, vous êtes sérieux ou quoi? Course sa mère, course sa mère. Lâche pas ça. Il est où? Je sais pas. Tout droit à gauche. À gauche? Ah, trop tard, vas-y, c'est moi. Il est monté à gauche? Ah ouais. Trop tard. Ah ouais. Je fais demi-tour, ok. Pêche. Allez les gars, go. On est dans la zone de bombardement. Sortez de la zone de bombardement. Plus. Ferme ta gueule. Mais t'es chiant, Sergei, pourquoi tu m'as tiré dessus? Écoutez-moi bien, la communauté virtuelle. S'il vous plaît, Inch'Allah, s'il vous plaît, que Dieu soit loué. Hacker. Tu pars fou, Hackez-le. Hackez-le. Tu pars grave en couille. Hackez-le. Merci. Tu veux rien, gros. Regarde la boule. Oh non, il a raté la boule, putain. Ah. Oh, il est chaud. Saute. Oh, il est trop chaud. Plus, les gars. Arrête. Avec le gros chaud. Salut. D'accord, c'est grave, t'es trop chaud. Salut. Si, moi, ce que je vous conseille, une fois de plus, ça reste que du conseil. Hein, c'est qu'il y en a un qui monte son forage pendant que l'autre monte sa préparation de matériaux. Ce qui fait que celui qui fait du forage pioche. Parce que si tu fais la pelle, ça ne montrera pas le forage. Donc celui qui part d'abord sur le mineur pioche l'argile, le donne à celui qui va monter d'abord forgeron. Bang. Pour qu'il fasse des tuiles avec. Ce qui fait que les deux vont monter vos skills, quoi. Bref, il est relou, il arrête pas de nous dire qu'il faut une pioche gratuitement. En fait, pourquoi est-ce qu'on s'est fait chier à choisir quel boulot vous allez faire? De toute façon, vous allez pas en foutre le et qu'il s'en prend pas lui. Arrête, tu vas tuer. Refais. André, il a réellement brûlé, tu sais. Ah, regarde, n'avance pas là parce que sinon tu vas te Je te tiens encore. Allez, refais. Voilà, ouais, tiens-moi, tu me tiens? T'es tombé? Pierre, t'es vraiment con. J'ai rien fait. Putain, wow. T'as vu ces cultures? En plus, c'est vraiment réaliste quoi. Marche pas dans les cultures! Oh là là! Il a marché dans les cultures. Au pur, il a marché dans les cultures. Bah, il y a 1, 2, 3, 4 lives. Une dizaine de cases foutues. Super. Oh, tu viens de retarder de 4 jours l'évolution de. Tu vois, pour la peine, tu fais clic droit et utiliser l'appel, abaisser le niveau de terrain. Tu veux que je fasse ça? Putain, mais il est où hier? Au pur, j'ai mis une patate. par contre, j'ai une vraie question. Juste, on peut être sérieux 2 secondes. Ouais. Une vraie question, vraiment super, hyper importante. Genre, vous comptez donner votre premier coup de pelle avant la semaine prochaine ou comment ça se passe? On y va, je le suis. Dis-moi, c'est passé par là, c'est bien. Merci à ceux qui ont fait ce magnifique petit chemin qui nous permet de courir plus vite. Mec, t'as vu cette technique de ouf quand même qu'on a réussi. Franchement, on a réussi, ouais. Oh, peut-être. Oui, si je t'arrête. Oui. Lâche tout, stop. Oh, génie. Lâche pas. Attends, ouais, je te tiens et tu t'avances. Attrape mon pied. Avance-toi. Mon pied. Là, lâche tout. Lâche. Lâche tout. Je te tiens, Pierre. Nice, belle coopération de ligue française. Ouais. Non, ouais, déjà. Ouais, mais Spielberg, c'était pas son seul film, tu vois ce que je veux dire? Genre, il aurait très bien pu. Il y a E.T. Hein, dans le même genre. E.T., c'était ouf. Hein. E.T. Ouais. Pourquoi tu dis E.T.? Parce qu'en français, tu dis E.T. Personne dit E.T. Personne sur Terre, ne peu importe où, dans quelle région. Et où il y a E.T.? Mais personne dit ça. Mais même ma grand-mère, elle disait pas E.T. Elle avait compris. Ce qui manque vraiment au film de E.T., sincèrement, c'est une musique du groupe U2. Ils auraient mis une... Bah du coup, je suis grillé direct en fait quand je stream. Comment ça? Et bah, les gens tout de suite, ils voient bien que je fais rien, tu vois. Genre au début, j'arrive à toi à escroquer genre 1 heure ou 2 à faire des trucs, genre je fais semblant de travailler, tu vois. Mais très rapidement, les mecs, ils captent que j'en prends pas une, quoi, quand je stream. Du coup, tu sais qu'est-ce qui serait bien? Tu fais quoi comme métier officiellement?
Bah j'en ai pas quoi, tu vois, justement j'ai essayé de bouger un métier, un métier qui te qui pour moi est RP dans ta posture de chef, qui est passionnant parce que je l'ai fait pendant longtemps. Herboriste. Ça te permet de flâner et de regarder les arbres pousser, comme le disait l'Homecast, tranquillement dans la forêt. Je peux pas passer la zone, je peux pas passer la zone. Bouge pas. J'ai pas réussi à passer la zone, Snake. Ouais, tu réussis. Tu meurs, Snake. Ouais, je sais.